Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle pour vous tenir au courant de la date de sortie des véhicules. Alors logiquement, on devait avoir les véhicules cette semaine parce que y avait même un défi programmé pour la 6e semaine de défi. Mais il n'y a rien eu. Hier, les défis sont arrivés et les voitures ne sont toujours pas disponibles. Alors, Fortnite officiel a tweeté cette nuit, enfin la soirée dernière. Il a tweeté que les voitures seraient disponibles dans quelques semaines. Donc ça veut dire qu'on peut ne pas les avoir maintenant, mais on les aura sûrement dans quelques semaines, donc genre 2, 3... voire même 4 semaines. Donc ça fait long et c'est très décevant parce que quand ils ont lancé la saison 3 de Fortnite, ils ont mis un trailer avec les voitures qui sortaient. Donc tout le monde était hypé par cette nouveauté. Mais au final, on n'a rien eu. Et là, ils nous font patienter. Donc c'est un peu dommage. Après, c'est clair que comme Baisankai dit, c'est bien qu'ils lancent les véhicules quand il n'y aura pas de bug et qu'ils soient prêts. Mais après, même s'ils sont pas prêts, ils auraient quand même pu tester, voir un peu comment ça donne, puis les désactiver, les réactiver. Au moins, on aurait quand même eu la possibilité de tester un petit peu vite fait pour ceux qui auraient eu l'occasion de tester avant que ce soit désactivé. Et puis après, ils les auraient réactivés, désactivés, réactivés. Moi, je trouve qu'ils auraient dû faire comme ça, que nous faire patienter et nous faire espérer pour rien. Là, on va arriver vers la fin. On arrive vers la fin de la saison 3. Il n'y a toujours pas de voiture, donc quand on aura les voitures, ce sera en fin de saison 3, genre une semaine, deux semaines avant la fin de saison 3, donc c'est un peu dommage. Après, on ne peut pas leur en vouloir, ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais bon, c'est juste un peu dommage qu'ils l'ont teasé beaucoup trop tôt. Enfin voilà pour cette petite vidéo information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.